Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Papillon Rose. Je suis Marina Claude. Je suis là qu'on puisse parler un peu du travail. Est-il important de travailler? Pour moi, oui. Pour certains, non. Le travail est très important simplement parce que le travail, c'est la vie. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la source. Lorsque tu ne travailles pas, tu n'es pas valorisé. Normalement, une personne doit travailler. Au moins sortir de chez elle le matin pour rentrer à midi ou voir éventuellement le soir. Lorsque tu travailles, même à la maison, tes propres enfants vont te valoriser. Lorsque tu ne travailles pas, c'est pas évident. Même ton entourage ne pourra jamais te respecter. Même ta famille. Lorsque tu travailles, tu as une autre considération. Le travail te valorise sans que tu te rendes compte. Et c'est le travail qui te permet de payer tes factures, le loyer, à manger, ta voiture, une maison, un appartement, tes ordonnances, payer les frais de scolarité de tes enfants. C'est important de travailler. Je sais qu'en Afrique, les gens travaillent dur et je les respecte. Franchement, chapeau à eux. Les gens travaillent. En Afrique, lorsque tu ne travailles pas, tu ne peux pas manger. On le sait tous. Lorsqu'on ne travaille pas, tu ne pourras pas payer tes factures. Tu ne peux pas payer tes ordonnances. Mais lorsqu'on arrive ici, dans ces pays développés, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas travailler. On reste à la maison. Et moi, je trouve dommage. Ça, je trouve dommage. Parce que nous tous, nous avons nos responsabilités. Tu travailles, tu peux faire un mandat à ta famille en Afrique. Tu peux faire plein de choses, mettre l'argent de côté. Mais lorsque tu ne travailles pas, tu n'es pas considéré autant que tel. Tu as moins de considération. Tu ne te valorises pas. Donc c'est un appel. Des gens qui sont encore à la maison en disant « Je ne travaille pas parce que j'aurai d'aide. J'aurai un RSA. » Moi, je trouve que ce n'est pas valorisant. Sauf quand tu es malade. Sauf lorsque tu es handicapé. Il y a des handicapés qui ne sont pas autorisés à travailler. Ça, je comprends. Mais quand tu es handicapé, autorisé à travailler, travaille. C'est pour ton bien. Ça te permet d'aller nouer les relations avec d'autres personnes. Ça te permet de rencontrer d'autres personnes que tu ne connais pas. Ça te permet d'aérer la tête. Ça te change entre la maison et le travail. Ça te permet aussi de rencontrer des belles personnes. C'est très important le travail. Et aussi de cotiser pour ta retraite. Lorsque tu as la retraite, c'est bien. Tu touches ta pension, tu es fier. Ce que tu as travaillé, tu commences à le récolter. C'est très bien. Parce que quand tu ne travailles pas, tu ne cotises pas, tu seras à la retraite. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. On voit pas mal des gens qui n'ont pas de retraite, qui sont là. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas voulu travailler quand ils étaient jeunes. Ceux qui n'ont pas beaucoup aussi cotisé, ils ont une petite retraite. Ça ne leur permet pas de finir le mois. Eh, le mois, c'est difficile. En tout cas, pensons de travailler. Travailler. Maman Africa, papa africain. Ici, quand tu travailles, tu auras ta retraite. Tu auras ta retraite parce que tu cotises. Ça valorise le travail. Lorsque tu ne travailles pas, tu n'es pas valorisé.
tu n'es pas valorisé. Quand tu te lèves le matin, peu importe le boulot que tu fais, je respecte le boulot, le ménage, tu travailles à la mairie, peu importe le boulot qui est dur. Mais lorsque tu te lèves le matin, le fils de te lever le matin, d'aller travailler, c'est la santé. N'ayez pas honte de ce que vous faites. Moi, je dis, je n'ai pas honte de ce que je fais. Tant que je sais que tous les mois, j'ai quelque chose dans mon compte, je suis valorisée. Donc, voici le message que je voulais faire passer. Le travail, c'est très important. C'est la santé, c'est la vie. Et tu seras respecté. Merci, je suis à la fin. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne Le Papillon Rose, de me laisser des commentaires et de liker. Merci, au revoir, ciao, ciao, ciao.